إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بعد أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون Il y a beaucoup de places de Coran que nous lisons. Nous trouvons un ayat Inna alladhina amanu wa amilu salihat. Certainement, Inna alladhina amanu, certainement, man kifin amen iman wa amilu salihat et je te fais une bonne action. Je te fais une bonne action que Allah subhanahu wa ta'ala content. Donc, quand nous lisons cet ayat là, première bonne action qui vient à l'esprit pour un moumine, un croyant, c'est quelque chose qu'il est besoin à répondre en premier auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, quelque chose là, c'est pas un secret, tout le monde nous connaît, quelque chose qui nous peut répondre en premier auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est as-salat. C'est salat, c'est namaz qui nous fait, obligatoire ou nous 5 fois par jour. Je ne veux pas dire qu'un djimoun le fait 4 fois, 3 fois, mais 5 fois par jour, il peut sortir de là-dedans. 5 fois par jour, il faut mettre en pratique ce salat obligatoire. Et en plus de ça, ben salat surérogatoire, ben salat supplémentaire, ça aussi il compte parce que nous pouvons trouver, Inch'Allah, comment ça ben salat supplémentaire. Tout ça, ben quelque chose qui nous peut faire en addition de nos bonnes faraïdes, de nos bonnes obligations, comment ça pour servir. Donc, première chose qui nous vous a répondre, c'est « As-salat » auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala pour poser nos questions à propos du salat. Et ça dit moula, si, dans sa première question qu'il pose là, ce salat, ok, ce salat satisfactory, ce salat peine un problème, donc, ben, les autres choses qui peuvent venir pour lui plus facile. S'il ne passe ce salat, succès pour lui. Donc, ben, les autres questions qui pour venir plus facile pour lui, et il est capable de répondre. Mais si dans ce là, si première question qui pose une question, la demande a un problème. La demande a une difficulté pour lui répondre, pour lui donner une justification pour ce soir-là qu'il a manqué, pour un défaut qu'il a de ce soir-là, là, ben, les autres questions qui pour venir après, il est plus difficile. Donc, quelque chose que nous connaissons, c'est ce soir-là qui nous mettre en pratique pour un moumine, un croyant. Un monsieur, un madame, 5 fois par jour, et ça quitte sur ça, nous allons dire, peine à sortir de là, un djimoun, pas qu'à venir dire qu'il en fait 4 fois salat par jour, soit 3 fois par salat, 5 fois, c'est minimum. 5 fois, c'est minimum. Juste pour nous comprendre maintenant, qui a été important, qui nous peut donner salat, c'est l'importance qui est bizarre de nous là, c'est qui, ça joue, qui nous peut rendre compte auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous tous, nous connaissons ça joue là. Yawm al-Qiyama, Yawm al-Din, beaucoup de termes, beaucoup de noms qui ont gagné, mais ce jour-là, un jour terrible. Terrible, le mot est trop faible. Effrayant, le mot est trop faible pour nous décrire ce jour-là, parce que
Nick pense nous quand nous trouvons ben n'a pas min jahannam. Je connais jahannam comme un poète ça joue là c'est libre comme dire un beast, comme un monstre. Et dans sa monstre qui périssait par min là, pour y en a 70 000 la chaîne, hadith authentique. 70 000 la chaîne qui peut tenir sa monstre là, qui peut tenir sa beast là, et pour ça que la chaîne et na 70 000 anges qui peut tenir la chaîne là-dedans. Nous avons 70 000, faire compte ou même vous trouvez. 4,9 milliards anges pétini, Jahannam. Et Jahannam, quand on amène les comme ça, c'est une chose tellement effrayante que tout du monde, toute bonne créature, prophète y compris, ben non-croyant, ben moumine, je tout, je peux tomber à genoux, liger pour baisser en bas, pas pour oser même guetter ça Jahannam là, tellement ça effrayant, tellement ça fait peur. Et tellement qu'il, comment dire, quand du moula get li, il trouve li, ça périsse li, amène li. Tellement ça joue la paix maintenant, pour n'a du moun qui, si dans sa soilat là, il a défaut, si dans sa soilat là, il a manquement, li pou parmi sa man du moun là. Li pou parmi man habitant de Jahannam. Nous trouvons dans Surah Al-Muddathir, Surah 74, quand il a un dialogue et une question-réponse entre ban qui dans Jannat et ban qui dans Saqar. Une autre définition de Jahannam, ban qui dans Saqar, je peux bien répondre quand ban mu'min, quand ban jimoun qui rentre dans Jannah, pour poser une question, mais qui n'amène dans Saqar? Qui n'amène dans Jahannam? Première petite chose que je vais vous dire, qalu lam naku min al musallin. Qalu lam naku min al musallin, nous partis parmi ban qui établit salat. Nous partis parmi ban qui fait salat. Nous pas parmi ban qui t'y peut donner ça là, c'est l'importance qu'il vous a donné là, qui n'arrivait. Quand ce end result, quand ce résultat, c'est qui? Je dans Saqar, je dans Jahannam, je vais brûler. C'est ce qui n'arrivait, je ne pas donner l'importance à qui de ceux qui nous dit, vous allez mettre les mêmes plis là-haut là. Parce qu'il sait même nous pas le répondre en premier. Mais ça l'a que comme fils Saqar, qu'allou l'amna koumin al-musalli. Et nous tous nous connaissons aussi un ayat qui nous liait tous les jours. Fawailul lil musallin. Malheur à ban qui fait salat musallin. Alladina. Ban qui, dans ce salat, vous êtes négligent. Ban qui, dans ce salat, vous pas donné l'importance. Et n'a ban qui de choses qui tibisa donne l'importance, qui tibisa. Et n'a tout ou, comment nous dire, ce salat là, nous besoin préserver avec tout qui de choses qui bisa. Mais seulement là-dedans, et n'a manquement. Fawailul lil musallin. Donc, peut dire, malé, ahraman du monde, ben du monde qui fait salat, mais seulement il y a un manquement, ben une négligence qui vient dans sa salat là. Aujourd'hui, nous bougetons maintenant, qui est chose qui corrige sa ben négligence qui est dans nos salat, qui nous pas donne ça l'importance là, et si arrivé, qui nous pas donne l'importance, quand pour arriver ça, vous l'allez pour trop tard. Si nous ne tenons ni l'odunia, nous ne tenons ni l'odunia, et nous capables sans ben qui chose qui vise à changer, alhamdoulilah. Si nous ne tenons pas le dunya, ou soit nous ne portons attention à quelque chose qui peut dire à nous, attention quand arrive au priama, il est trop tard, maintenant nous pouvons dire ce regret. Nous vous disons, mais donne-nous ça le temps là pour faire au moins ça dérakat là, parfaitement, avec toute précaution, avec toute prudence, avec tout quelque chose de l'esprit là-dedans pour nous faire au moins dérakat at salat. Dérakat salat. Mais ça nous ne va pas gagner, nous ne va pas gagner l'occasion là. Nous ne va pas gagner cette opportunité là parce qu'il est trop tard. Quand nous tenons le temps, nous pouvons faire ça. Quand nous tenons l'opportunité pour mettre en pratique, nous pouvons faire ça. Donc, nous avons cette ayat qui trouve dans Surah An-Ankabut, Surah 29, ayat 45. Quand Allah subhanahu wa ta'ala peut dire à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Utlu ma uhiya ilayka min al-kitab. Récitez depuis ce qui nous finit révéler à toi. Al-Quran. Utlu ma uhiya ilayka min al-kitab wa aqimis salam. Et établir salat. Des instructions qui nous n'a là-dedans, première chose, lire depuis le Coran, récite depuis le Coran, apprendre au Coran, mettre en pratique ben quelque chose qui nous n'a là-dedans, wa aqimis salat et établir salat. Quelle relation est là entre ça des deux-là? Quelque chose qui nous trouve en commun quand un jimoun peut dire utlu ma uhiya ilayka min al-kitab wa aqimis salat. Quelque chose qui vient là-dedans, c'est qui, ça jimoun-là? C'est l'importance qu'il y peut donner salat. Ça qui est chose qui lui est trappé, faux là-dedans, soit là, lui vise à trapper ce Coran pareil, parce qu'il s'a de la manche de paix.
En du monde, pas qu'à dire, il donne l'importance au salat, mais seulement il néglige le Coran. Que vous trouvez que faire? Ou soit, il donne l'importance au Coran, mais il néglige le salat. Il pas mort comme ça, ça, il mort tous les deux de pair. Utluma uhiya ilayka min al-kitab wa aqimis salat. Du monde, donne l'importance au Coran. Du monde, récite depuis le Coran, met en pratique, apprend ce Coran. Et en même temps qu'il peut faire, aqimis salat, établir salat, faire salat, établir salat, perfectionner le salat. Faire toutes les choses pour préserver, ça des petites choses là, réciter depuis le Coran, apprendre le Coran et accomplir salat et établir salat. Donc des petites choses qui est important. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam donne nous un exemple vivant, pareil comme on nous peut dire, ça joue effrayant, joue Qiyama. Un autre exemple très effrayant, c'est que des anges viennent prendre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ils amènent lui dans un rêve pour montrer lui ben punition qui man du monde peut gagner. Et là-dedans, dans man punition qui peut gagner, pour y'en a un du monde qui dormit en bas, et un ange peut prendre une rose, et peut pile sur la tête, peut craser sur la tête, ça la tête-là peut éclater, et la tête-là peut revenir ensemble, et sa punition-là peut continuer puis aller même. Sa punition-là, pas dans, pas yu aumul kriyama, sa punition-là, c'est d'akabar ça. Du monde-là peut gagner punition d'akabar, une punition qui continuellement, constamment, peut prendre un rose, peut pile sur la tête, et la tête peut écraser, peut éclater, 10 ans peut faner, après la tête là peut revenir ensemble, sa quitteuse peut continuer. Et Rasulullah, sallam, il demande à son ange là, mais ça du monde qui peut gagner sa punition là, qu'est-ce qu'il fait? Qui action qu'il est fin faire? Et ben ange de ça du monde là, il s'y connaît son Coran, il s'y connaît sa Coran là important, il s'y connaît sa quitteuse, Coran, bien mettre en pratique de cela vie, bien lire, bien réciter, bien apprendre. Mais seulement qui arrive, il néglige lui. Il néglige sa Coran là. Et deuxième petite chose, quand il néglige ce Coran qui est arrivé, quand il arrive les salat, dans sa lèvre là, il fait dormir. Donc je trouvais, quand il néglige une petite chose, quand il néglige le Coran qui arrive, automatiquement, il y a une négligence de salat. Donc c'est un djimoun, il peut trouver qui ce salat est un problème. Nous tous, nous avons un problème. Mais sa quitteuse-là nous sait corrige ben, le problème qu'il y a dans le salat parce que le salat-là, c'est une quitteuse obligatoire. L'obligation de nous est 5 fois par jour. Je pensais qu'il shaitan pour laisser nous comme ça même. Je pensais qu'il shaitan pour laisser nous dire si ça du monde-là fait 5 fois salat. Ou soit il pour venir, il pour empêcher ou faire ça 5 fois salat-là pour trouver une raison qui, à la fin, ou pas justifier ou raison pour dire je suis fatigué, je suis en travail, ou pas encore faire salat. Shaitan peut venir fatiguer là. Mais qui punition qu'il y a quand on néglige sa Coran là, automatiquement, sa salat là peut négliger et sa punition là peut gagner, peut continuer, peut aller et sa punition là doit kabar ça. Jusqu'à Yomul Qiyama, il peut gagner sa punition là. Et quand arrive l'air pour ce jugement, quand il vous besoin de répondre, ça, une autre punition ça. Donc pour nous comprendre que ça, dès qu'il se dit Allah subhanahu wa ta'ala, il met ça dans la ayat là. Rasulullah sallam aussi nous montre nous quand un djimoun néglige ce Coran, il néglige ce salat et ça quitte cela très dangereux, ou gagne pire quand ou gagne ça parce que ça quitte cela arrive, punition ou gagne l'akhabar et punition ou gagne yawm al-qiyama quand finit faire jugement avec vous. Donc, utluma uhiya ilayka min al-kitab. Donc, un djimoun s'il trouvait que ce salat est un problème, il n'est pas fait qu'à concentrer dans ce salat. Il n'y a pas qu'à donner l'importance à ce salat là, il n'y a pas qu'à mettre en pratique, donc revisite sa relation avec le Coran. Est-ce que quand il peut visiter sa relation, revisite sa relation avec le Coran là, est-ce qu'il peut trouver que sa Coran là, il n'y a pas donné l'importance, donc sa déquitteuse là, nous devons mettre en pratique pour sa déquitteuse là, vine correcte, ou récitation, ou apprentissage, ou mettre en pratique le Coran et salat aussi pour bien corriger pour sa déquitteuse là. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Donc, un ayat, surah 29, ayat 45, quand Allah subhanahu wa ta'ala peut dire à nous, des commandements, mettre en pratique dans nos vies, récite, apprends le Coran, mettre en pratique le Coran, et après mis salat, établis salat. Ça,
quand ça dit moun là, il fait sa quitteuse, il met ça dans sa vie, là, Allah subhanahu wa ta'ala pour de nous, des quitteuses qui nous gagnent. Des quitteuses qui, automatique, si un dit moun, il préserve ce soir-là, il donne l'importance ce soir-là, il peut faire ce soir-là là, comme un bizarre, et il peut faire lui dans l'air, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, inna salata kanat ala al-mu'minina kitabam mawquta. Nous, quand on peut faire 5 fois salat, mais Saint-Dieu peut faire 5 fois salat, pas dans ce lien. Il ne peut pas établir salat comme un bizarre. Parce qu'il y a une lien prescrit. Fini, nous tel lien, Fajr, tel lien Zohar, tel lien Asar, tel lien Maghrib, Isha. Pas besoin de dire parce que nous tous nous connaissons qu'il y a ça. Azan donné sa lien là, et nous tous nous connaissons qu'il arrive lien pour faire tel ou tel salat. Donc, Saint-Dieu, quand il établit ce salat, quand il peut faire ce salat là, il peut préserver ce salat là, il peut protéger ce salat là, des quitteuses qu'il a gagnées. Inna salata tanha anil fahsha. Première quitteuse. Sa salat là, pour épanouir, avec ben fahsha. Fahsha, nous traduisons pas ben immoralité, mais nous capables d'une description. Fahsha, c'est ben grand péché. Donc, ça dit, là, si ce salat dans lui, vivant dans lui, automatiquement, premier résultat qu'il peut gagner, c'est qui? Allah subhanahu wa ta'ala pour épanouir avec ben grand péché, épanouir avec tout ben quitteuse qui appelle immoralité. Ce soir-là peut protéger dans une façon. Inna salata tanha anil fahsha wal munkar. Et munkar, ben quitteuse qui détestable, ben quitteuse qui pas bon, et nous capable d'associer avec ben petit péché. Donc, si un djimoun il fait ce soir-là comme un bizin, il peut protéger ce soir-là, il peut mettre l'importance de ce soir-là, premier quitteuse, grand péché. Et épanoui avec manchi péché. Donc, ça, du monde là, il est protégé, il est dans une protection, juste parce que ça soit là, il est protégé avec man grand péché et manchi péché. Ça, c'est une petite chose qui, du monde là, pour gagner le dunya. Parce que le dunya, il y a beaucoup de tentations, beaucoup de grands péchés qui sont capables de venir vers vous, beaucoup de petits péchés qui arrivent qui ne nous pas trouver. Ça, c'est une petite chose là, qui est venue en nous, il vient en nous, mais elle est mains. Mais seulement avec ça soit là, il repousse tout ça, une petite chose là. Ça, c'est quelque chose qui nous gagne la dunya. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wa la dhikrullahi akbar ». Allah subhanahu wa ta'ala, pas de nous description, mais n'est de nous un terme « Wa la dhikrullah ». Et « dhikrullah » qui peut référer à salat dans sa ayat-là « Wa la dhikrullahi akbar ». Et ça dhikr, ça rappelle d'Allah subhanahu wa ta'ala quand on peut faire salat ou en communication directe avec Allah subhanahu wa ta'ala « Li akbar », les plus grands. Pas un dieu plus grand que tout, mais seulement là, nous pouvons le donner, man quitteuse, quand nous vous trouvez qui, ça soit là, là, protège-vous, contre grand péché, contre petit péché, ça soit là, là, c'est une source de succès, ça soit là, là, pour faire vous trouver tout ça quitteuse qui vous trouve difficile, ben dhikrullah qui vous trouvez difficile, ben les autres actions qui nous imposent le vous trouvez difficile, quand il arrive, qui vous établit au soit là, comme un bizin, vous trouvez plaisir dans établir soit là, ou trouve tout qui chose vient facile pour vous, tout ça mène les autres difficultés qui vous souhaitez penser, il y a ibadat pas qu'à faire, non, qui peut arriver, tout ça mène qui chose là pour vous vient facile. Voilà, dhikrullah hi akbar, et dhikrullah hi akbar, les plus grands, pour tout mène qui chose qui vous gagne le dunya, soit là, là de nous. Et tout mène qui chose dans l'akhira, ça aussi vous pouvez gagner ce mène récompense quand ça du monde là, quand il vous trouve ça jour là, quand ce soit là pour amener auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ça soit là, là, il complète. Soit là, là, peine à manquement, une question qui vous venir, il vous trouve facile et il vous rappelle que ça soit là, qui donne l'importance au dunya. Ça soit là, il fait quelque chose qui est bizarre pour lui préserver ça soit là, et en même temps qu'il nous dit qu'il est arrivé, il préserve ce soit là pour établir, pour mettre en pratique le commandement de ce Coran, pour réciter le Coran, pour apprendre ce Coran, pour protéger ce Coran, pareil comme il protège ce soit là. Wa la dhikrullahi akbar. Wala dhikrullah akbar, et ça dit moun là, pour trouver tout ban source de succès. Juste pour nous gagner un exemple, nous tous nous connaissons quand Dajjal moumi. Dajjal, c'est celui qui tout ban prophète, il informe le peuple, il donne warning à ban peuple, l'antichrist, l'antéchrist. Quand Dajjal pour venir, nous tous nous connaissons que ça n'a pas tout Dajjal, c'est Isa alayhi salam, qui Allah subhanahu wa ta'ala pourrait avoir dit. Et lui, il peut tuer Dajjal. Mais avant qu'il tue Dajjal, il peut faire une petite chose avec Ban Mu'min, avec Ban Croyant. Quand il peut descendre, il peut faire Salatul Fajr avec Ban Mu'min. Il peut mettre en pratique Salat avant, Léla, Rasulullah salam de nous, après Salat, il peut aller, il peut tuer Dajjal. Donc pour montrer nous que, tout petite chose qu'il nous fait, si nous avons de succès,
premier qui te c'est salat. Si nous trouvons un problème, premier qui te c'est la salat. Parce qu'il y a Allah subhanahu wa ta'ala qui dit à nous, Ista'inu bis sabri wa salat. Ista'inu, cherche aide à travers sabre, à travers patience et à travers salat. Quand nous guettons Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sur la vie, quand il y a une difficulté, quand il y a un problème, qui premier qui te qui fait salat. Quand un jumoun il a un problème, il trouve qu'il y a une question plus difficile, révisite ce salat. Est-ce que ce salat-là a l'importance de ce lavis ou soit il néglige ce salat-là. Et quand on met en pratique ce salat, il peut trouver ça va une question qui peut venir, il est capable de supporter, il est capable de handle une question qui il trouve qui peut venir vers lui. Donc, le message qui nous est là, c'est qu'un jumoun salat, c'est quelque chose de plus important dans la vie. Obligation, par excellence, 5 fois par jour, qu'il y mette en pratique. Et quand il met en pratique ça, il peut donner des quelque chose de l'odunia, peut épanouir avec un grand péché, un petit péché. Et voilà, dit qu'Allahi Akbar, ben quelque chose qu'il veut gagner l'odunia et ben quelque chose qu'il veut gagner l'akhira. Maintenant, quand on dit salat faraz, quand on dit salat faraz, ça nous, tu nous connais 5 fois par jour. Mais seulement, il y a une quelque chose qui. Ça aussi nous pas donne l'importance, c'est que quand un jumoun dit faire une petite chose qui supplémentaire. En addition de oufaraz, 5 fois par jour, faire une nawafil. Une nawafil, nous avons une nawafil qui Rasulullah sallam dit à nous, c'est une nawafil là qui dit pas tu peux rater. Nawafil, quand nous dit c'est une petite chose qui supplémentaire. Sunna tombe dans une nawafil. Donc, ben 12 rakat qui est là par jour. 12 rakat qui est là par jour, dès avant Fajr, 4 avant Zohar. Dès après Zohar, dès après Maghrib, dès après Isha, y compris quand on met ou 8 heures aussi, 8 heures, les capables minimum, c'est N. Ça, c'est ban namaz supplémentaire. Qui sont l'importance de namaz supplémentaire? Nous ne pouvons pas dire, mais non, nous faisons faraz, mais alhamdulillah, correct, nous pouvons établir nos salat. Non. Mais quand Allah subhanahu wa ta'ala vous pose une question dans nos salat, pour dire à Banjimoun, amène ce salat, nous guettons un coup, c'est un problème. Est-ce qu'il nous pensait, tout ce bon salat qui nous fait faire, depuis nous gagnons l'âge qui nous a fait salat, balir, jusqu'à qui nous quitte dunia, est-ce qu'il nous pensait, tout ce bon salat qui nous fait faire là, 100% correct? Est-ce qu'il nous avons conviction, nous avons garantie que tout salat qui nous fait faire, il n'y a aucun problème là-dedans? Ou soit, nous connaissons qui, de ce bon salat là, il y a un problème? Nous connaissons dans ce bon salat-là, il y a un manquement, il y a quelque chose qui peut-être l'esprit n'allait, nous pas une concentration qui est bizarre. Nous l'esprit pas de là. Ça nous touche du monde pareil, nous tous dans le même panier, là, nous tous dans le même bateau. Là. Donc, qui peut combler ce bon manquement-là? Qui peut quelque combler ce bon manquement dans ce salat-là? Si ou pas un nawafil, ou pas une quelque chose supplémentaire qui nous a amené pour capable combler, et quand nous pouvons dire une obligation, quand un jumoun il amène une obligation qui Allah subhanahu wa ta'ala pose une question, ça va être supplémentaire, ça va être nawafil, là, pécorise. Il apply pour salat, il apply pour rosa, il apply pour tout, ben, les autres quittes qui mettent obligation, ben, quittes supplémentaires ou vous amène. Maintenant, on trouve l'importance qui, ça dit rakat qui vous pouvez faire après un salat faraz là, on trouve l'importance qui, ça zoukri yamala quand vous dites amène man supplémentaire, amène man nawafil, nous mettez un coup qui est dans le compte, les zéro, puis n'a aucun nawafil qui vous fait là. Qui nous fait là, quand dans nos comptes, il y a zéro nawafil et dans salat, faraz et dans manquement, qui nous fait? Nous ne pouvons pas faire rien parce que nous ne pouvons pas dire réavenir la terre pour faire encore des rakats, comme on nous dit. Ça, des rakats là, quand nous gagnons le temps, pas gagner le temps, nous besoin de trouver le temps là. Nous gagnons l'opportunité, pas laisser 2 minutes, 3 minutes passer, faire des rakats au moins, qui ça, les compte dans le supplémentaire qui nous fait. Et beaucoup, ben, les autres moyens qui sont capables de mettre en pratique, beaucoup, ben, les autres. Salat qui vous pouvez mettre en pratique, et il y a des salats, salat tout duha. Salat tout duha, si un du monde a envie de faire comme un bizarre, donc il y a tant, après Fajr, il y a 6 en place, il y a tant de soleil levé, il fait des rakats, salat tout duha. Et il est capable al jusqu'à 10-15 minutes avant Zawal, il peut compter dans salat duha, et il y a un salat qu'on appelle lui, salat tout duha, mais quand il vient prêt avec Namazohar, prêt avec Zawal, salat tout awabin, salat de ban qui retourne vers Allah subhanahu wa ta'ala. Comme ça, nous dire beaucoup ben, les autres moyens, mais ça du monde là pour trouver que ça va une difficulté là. Comment y enlever ça va une difficulté là? Comment ça va une difficulté là enlever qu'il y trouve tout soit là bien facile pour lui? C'est qui les besoins révine qui un coup qui dépendent là. Soit là t'es un problème, dans le problème là était. Donc vous trouvez problème là si vous dites que Allah faible, si vous trouvez lecture Coran faible,
si vous trouvez application Coran faible, normalement, ça aussi vous trouve, il vous donne les faits qui vous soient là pour, pas pour bon. Mais si nous sommes capables de trouver les moyens, nous allons corriger quand nous visons à la source, donc corrige nos relations avec Coran, et de vous trouver qu'il soit là, bien bon, et tous les deux, comme nous disons ensemble, soit là, et Coran, ça dit qu'il soit là, subhanahu wa ta'ala, bien nous de sa ayat là, utlu ma uhiya ilayka min al-kitab, wa aqim al-salat, inna al-salat tanha anil fahshai wal-munkar, wa la dhikrullahi akbar, et Allah subhanahu wa ta'ala dit, wallahu ya'lamu ma tasna'un, et Allah subhanahu wa ta'ala connaît bien ce qu'il nous fait. Connaît bien ce qu'il nous fait, nous donne un exemple. Salat faraz pour un miché, bizafia dans masjid. À moins, il y a une question, une circonstance exceptionnelle, là, il fait la carte. Mais seulement, salat qui est un miché, bizafia dans masjid en congrégation, en jamaat. Mais souvent, nous, dans l'esprit, nous disons, nous avons un prétexte, nous avons une raison, mais qui fait nous avec à aller. Nous pouvons justifier que nous-mêmes, pour dire, pas besoin d'aller, mais nous connaissons sa justification, là, il est fausse. Wallahu ya'lamu ma tasna'un, Allah subhanahu wa ta'ala connaît sa raison qui te peut servir là, sa raison là, il est bancal ça. Il n'y a pas une raison qui vient, qui te peut redresser la case pour te faire salat. Salat faraz fait dans masjid, et ma meilleure salat qui vous fait après salat faraz, elle fait la case. God a un peu salat pour faire dans la case parce qu'il ne peut pas faire où la case vient de cimetière, il y a un peu de salat là-dedans. Donc, un jimoun fait ce salat faraz dans masjid, et God a un peu de salat qui lui permet de mettre en pratique dans ce la case. Pour lui capable de faire sa salat là, vivre vivant. Parce qu'ici, il y a du monde, Ziz dans ma zid, il fait salat. Après, dans la case, il dit, pas pour trouver. Il n'est pas pour trouver l'utilité, il n'est pas pour trouver ça, l'envie pour faire salat dans ma zid, parce qu'il pensait que tout salat fait Ziz dans ma zid. Non. Salat faraz dans ma zid, salat supplémentaire, God, un salat là pour la case. Fait un maximum qui est capable de faire au salat dans la case et nous demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il y fait nous bin parmi ban musallin, ban vrai musallin, ban qui met en pratique, ban qui établit salat et nous demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui, zou qiyama, quand vous posez une question, inshallah, nous pour répondre à sa question là, avec satisfaction à Allah subhanahu wa ta'ala, nous pour répondre qui nous salat et nous salat complète, inshallah, et nous qu'à répondre. Et pas juste ça, nous mettre encore de nos côtés, God ban supplémentaire, mettre encore ban nawafil en pratique dans la vie, parce qu'il s'acquitte de cela. Manquer, garder un jour du coup, avec nous, inshallah, par permission, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, demande Allah subhanahu wa ta'ala qui donne nous compréhension et nous vienne parmi ban qui établit à nous 5 fois salat par jour et nous trouve aussi l'envie, nous trouve l'amour pour mettre encore ban les autres salat en pratique. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أقم الصلاة.